Moment d'allégresse et de soulagement pour ces trois étudiants en fin de parcours au Centre international de formation des techniciens en prise de son en Afrique francophone, SIFT Media. Après 9 mois de cours théoriques et pratiques en montage, régie et sonorisation, ils sont repartis le samedi 30 juillet 2022 avec leur certificat de fin de formation. C'est une impression de joie. Les attestations que nous venons de recevoir aujourd'hui nous qualifient comme des techniciens en prise de son, régisseurs à la télé, à la radio, des techniciens réalisateurs et reporters. Et avec ces diplômes, nous pouvons servir, que ce soit dans les stations télévision et radio, nous pouvons servir, que ce soit dans certaines institutions musicales qui font des prestations de qualité. Pour le directeur de SIFT Media, cette cérémonie marque la fin d'une formation faite avec rigueur et professionnalisme en faveur de ses étudiants de la deuxième promotion. Pour une période de 9 mois, nous avions travaillé d'une manière active, de jour comme de nuit. Et aujourd'hui, nous fêtons ce moment solennel pour les étudiants. Cadre de référence et de perfectionnement, l'Institut nourrit des ambitions encore plus nobles pour ses futurs étudiants. SIFT Media prévoit dans les rentrées prochaines lancer le BT, qui est une formation diplômante pour 2 ans. Pour s'inscrire au Centre international de formation des techniciens en prise de son en Afrique francophone, il faut être nanti d'un bac 2 ou être déjà sur le terrain après une formation sur l'État.